Un homme non encore identifié. On croit cependant qu'il s'agirait d'un des quatre chasseurs perdus au mois d'octobre dernier.
La police provinciale fait enquête. De Montréal, après une poursuite mouvementée à travers les rues de la ville, un jeune assassin qui a terrorisé la population montréalaise ces jours derniers s'est échappé vers la campagne. On se souvient que ce jeune homme a effectué trois vols à mer. Charge en partant de 14 minutes à la métropole ces jours derniers. Cet après-midi, après effraction, il abattit froidement un homme qui lui barrait la route. Au dire de la police, il s'agirait d'un étranger, mesurant plus de 6 pieds et vêtu de façon étrange. Jusqu'ici, il n'a pas encore été identifié. Une minute, mesdames et messieurs. Voici André. Une flèche que l'on me remet à l'instant. Nous venons d'apprendre qu'un jeune homme répondant à la description du meurtrier vient d'être arrêté à la frontière américaine. Nous vous apporterons d'autres détails au fur et à mesure qu'ils nous parviendront. Ici Albert Duquel, qui vous apporte tous les soirs les nouvelles de Chine. Evening, folks. Prenez dans une chaise. Asseyez-vous dehors. Thank you, ma'am. Vinet en voyager. Sorry, I don't speak French. No one speaks English here. Qu'est-ce qu'il dit? Ça doit être un anglais. Il comprend pas le français. Toi, Père Ignat, parle-lui donc. Speak English? Yeah. I'm from Texas, from Tudorville, Texas. My name is William Fortin. They call me Bill. I got a letter from Benaudry, Mr. Berube. Telling me that my uncle, William Fortin, had died and left me his farm. Me, Bill Fortin. Here, read this. Oh, ben, c'est le neveu de William Fortin. Il vient du Texas. Mon Dieu, mais c'est-tu pas le garçon de Joseph? Tu as bien le frère de William qui est parti travailler aux États? Oui. Vous parlez pas le français tantôt? Je l'ai bien connu, son père, Joseph. On est allés à petite école, puis on fait notre première communion ensemble. Après la mort d'Xavier, son père Joseph est parti pour les États, dans le Montana. Un notaire Bilby dit dans sa lettre que son oncle est laissé à terre dans son testament à cause qu'il porte le même nom que lui. Il s'appelle William, lui aussi, comme son oncle. Il lui a laissé 1000 piastres à part de la terre. Ben okay. Mais il ressemble guère à son père. Et il est bien plus grand que lui. Il est quasiment aussi grand que le géant Beaubré. But where's my uncle William's home? Is it far from here? Il demande où est la maison de son oncle. Il n'a pas envie d'aller coucher là, soir. C'est un 1017, puis la maison n'a pas été chauffée de l'hiver. Ça n'a pas de bon sens. Clarigna, dis-y donc qu'il va rester à coucher ici, ta soir. Je vais avertir le notaire Berbé, puis sa tante, la veuve Mina. My father, my mother say you sleep here tonight. But where's my uncle William's house? Oh, 1017, 1 mile. Froid, it's cold. You stay here, and you go tomorrow to your Aunt Minna. Notaire Berbé! Hein? Notaire Berbé! Oui! C'est le fils, prudent, qui parle! Qui? C'est pour vous demander de venir demain. Quoi? Vous viendrez chez nous demain matin. Le neveu de William est arrivé. Le neveu de William Fortin du Texas? Oui. Il est arrivé à soir à bord des chars. Il va coucher ici. Ben vous me direz que j'irai rencontrer. Demain matin! Je crains c'est pas à peine d'avertir sa tante Mina. Il y a assez de monde qui écoute ça aller. Oh. Il m'a dit qu'il faut avertir sa tante Mina. Ben, il y a plus tout le temps. Ôtez vos souliers. Oh, they're all wet. Take off shoes.
va donc y crier à une paire de bottes laine à ton pays. Regarde Zidane les pieds. Je vais dire comme le gars. As-tu jamais vu des grands pieds comme ça? Il doit faire chaud d'où ce qu'il vient, avec des bottes coton. Il est point grillé de butin d'hiver, ça se voit bien. Je vais y faire sécher ses affaires derrière le poêle. J'ai une petite behind the stove. C'est bien, oui, Texas. Le Texas, c'est dans le sud des États-Unis, près du Mexique. Vous l'avez appris dans ma géographie l'autre jour. Veux-tu te la farmer? Puis tu connais ça? Well, ma'am, there's no snow in Texas. It's the first time I've seen snow. Il dit que c'est la première fois qu'il voit de la neige. Moi, je voudrais bien vivre d'une place où il fait chaud, où il y a des oranges puis des bananes sur les arbres. On n'a rien qu'à éconcer de sur les branches. Y es-tu venu pour s'établir sur bien son défunt oncle? Mande-tu donc, toi, Clérina. Are you a farmer in Texas? No, I never worked on a farm. I worked in a gas station. Say, what does the snow melt? Il dit qu'il n'a jamais cultivé. Il travaillait dans une station de gasoline. Il demande quand est-ce que la neige va fondre. Au spring? Ouais, ben. Il va trouver les hivers et sept plus langoureux qu'au Texas. You tired? I haven't slept in a bed for five nights. Oh, il dit qu'il n'a pas dormi dans un lit depuis cinq jours. Oh, pauvre garçon. Va vite et montrer la chambre. Come with me. I'll show room to you. Good night, folks. La terre a des feux, William. C'est une bonne terre, mais elle a quasiment besoin d'être défrichée. Je ne vois pas tout ça d'en haut à faire de la terre. Ce gars-là, il n'est pas venu au monde par ici. Bah, je ne suis pas inquiète pour lui. Bien pris comme il est. Il s'arrangera bien. What's your room? Swell. American family who comes here during the summers. Oh, you're too long. Yeah, but not the bed. Oh, la prière. I'm going to the prayer. Well, I'll be down in a minute. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, Seigneur, et vous, divine entre les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite, évangéline des vertus. Sur la terre comme au ciel. Encore du café? Café? Café. Café. Je vous garde, ça y prendra pas beaucoup de temps à apprendre le français. Café. Café. De la crème? Cream. De la crème. Oh, cream.
still like crayon. Thank you. Non, non. Merci. 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 C'est bien les premiers mots de français qu'il y a, hein? Bon, c'est bien. Il faut toujours commencer par le commencement. Papa, je viens de notaire. Entrez donc, monsieur le notaire. Bonjour, monsieur Chouinard. Bonjour, monsieur le notaire. Bonjour, monsieur. Bonjour, mesdames, mademoiselles. Bonjour, monsieur Birbé. Ça fait un matin? Oui, il te fait un petit vent de nord d'un matin. C'est lui, le neveu William. Ah, enchanté de faire votre connaissance, monsieur. Oh, pardonnez. Venez dans une chaise, monsieur le notaire. Non, merci, je serai pas longtemps. Il parle point de français, pas un mot. Il parle pas le français? Le garçon de Joseph, le neveu de William. Vous avez reçu ma lettre, hein? I don't speak French. Moi, venez vous chercher pour ouvrir la maison de William. Il y a moyen de se faire comprendre. Êtes-vous prêt? Ready? You go to house. Why, sure, I'm ready. Prenez donc cette couverture-là puis la sucre à 6 louis en attendant. Et il fait frais dehors. It's cold outside. Take this. Oh, thank you, ma'am. Moi, j'ai comme vous, Alfred. Il est bien plus grand que son père. Bien plus grand que toi et Fortin. Ben oui. Hier soir, quand il est entré, Arthur pensait que c'était le revenant du géant Beaupré. En effet, j'ai jamais vu qu'elle était aussi grand que lui. On les fait plus petits que ça, par ici. Dis donc, y a-t-il envie de cultiver la terre de William? Ça a bien l'air à ça. Il a besoin d'être courageux. Le bon William l'avait pas mal négligé ces vieux jours. Faut bien faire. Il n'y avait personne pour l'aider. Non, on sait bien. Un vieux garçon, ça ne fait pas d'enfant. Voulez-vous? Yeah, I'm coming. You come back, eh? Sure. I'll come back. Bonjour tout le monde. Bonjour, M. Gattari. Bonjour. Goodbye. Thank you.
Il y a une chambre à coucher ici en bas. Deux autres chambres en haut et le grenier. Any water? Hein? Water. Ah, désolé, mon gars, hein? Je regrette, mais j'ai pas encore dit whisky. Oh, no whisky. Water. Ah, rien à boire. Ah, de l'eau! Ah, c'est par là, dans la cour. C'est là, vous voyez bien? Voyez bien, vous avez rien qu'à tirer. Oh, a cow. Milk. Yes, yes, yes. Tu vas avoir besoin d'un cheval tout de suite. What? Un cheval. Cheval. Oh, a horse. Yes, a horse. Cheval. Dois acheter un cheval. Yeah, I want a horse. Cheval. C'est ça. Cheval. C'est ça. Something to eat before I settle down here. Huh? Me? Go to store and buy food. By God, I'm beginning to talk like him. See? Nothing to yum, yum, yum. Yum, yum, yum? Yeah, yum, yum, yum. Oh, yum, yum, yum. Oh, yes. On va aller au village, puis on ira chez ta tante Mina. Aunt Mina? All right. Ah, bonjour, monsieur le notaire. Et vous emmène votre neveu, et le garçon Joseph. Oh, c'est toi le garçon de mon frère, défunt Joseph. Oh, ben, je suis contente de te voir. Dégrayez-vous donc, monsieur le notaire. Ben, comme il est grand, puis comme il est beau. Ben, embrasse-moi donc. Embrasse-moi donc, voyons. Oh, oh, ben, laisse-moi pas comme ça, voyons, descends-moi. Lui, tu peux, toi, d'ailleurs, oh, c'est tout le parfait de son grand-père. Oh, mais c'est lui en personne. Bon, vous ne trouvez pas, monsieur le notaire? Oui, il y a un petit air de famille. Aunt Minna, I'm sure glad to see you, Aunt Minna. Comment, mais il parle pas le français? Ah, pas un traître mot. Ah oui, comment est-ce qu'on va faire pour se comprendre? C'est pas à cause, j'ai déjà parlé anglais dans mon jeu de temps. Il y a une bonne excuse de ça. C'est la fois que j'avais été me promener à Fall River. Je m'étais fait un cavalier, un Américain. Oui, il est venu à bout de se comprendre. Et j'ai plus de mémoire, sœur. Moi, j'ai honte de le dire. J'ai oublié tout l'anglais que j'ai appris au séminaire. Faut dire que les professeurs d'anglais, ils en savaient pas bien long. Mais parlez-lui quand même. Moi, un matin, j'ai réussi à me faire comprendre passablement. You, venir... rester ici, sur le
bien de my brother, William? Sorry, Aunt Minna. I don't speak French. You? Oh, ça, c'est rien, je comprends pas. Oh, ça fait trop longtemps de ça. Puis dire que dans le temps, je parlais bien vite. Puis mon cavalier comprenait tout. Peut-être bien que votre anglais n'est pas le même que le sien. Moi, je crois qu'au Texas, c'est pas le même parler qu'à Fort River. Assisez-vous donc, puis vous m'aidez à descendre, s'il vous plaît. Assisez-vous donc, je notaire. Merci, Madame Miller. Assieds-toi, mon petit. Thanks, Aunt Minna. Je pense qu'il veut coucher ses œufs à soir. Il m'a dit qu'il voulait s'acheter des provisions. En attendant qu'il se trouve un cheval, j'y prêterai bien le mien. J'en aurai pas besoin pour une couple de jours. J'ai bien envie d'aller rester avec lui pour faire son ordinaire, pour petit. Puis d'abord, depuis la mort de mon frère, je m'ennuie de la maison. Je sais pas s'il va vouloir, lui. M'en dis donc, qu'il vient de rester ici de quelques jours avec moi. À quel temps, ça lui donnera le temps de s'organiser au village. Demandez-y. Souhait rester ici avec Tante Minna pour quelques jours, hein? Toi, rester ici quelques jours, pas longtemps. Une petite course. Someday, hein? Après, me aller avec you. Yeah? Ah. Il comprend pas. Si je pouvais donc me souvenir. Excellent mode d'instruction. You, coucher. Dormir. Ici. Toi, rester avec moi. D'abord, tu as besoin de butin pour l'hiver. Ça me donnera le temps d'en trouver. J'en ai gardé dans le coffre du butin à ton oncle William. You, stay here. Someday. Yes? No, I want to live in my own house. House William. Ah, oui! Ce qu'il dit. Aujourd'hui, I've seen a cow. Aujourd'hui, quoi? Oh. I mean, me, aujourd'hui, me acheter une cow. Une cow? Yeah. Moo. Moo. Oh, une vache. T'achètes une vache? Yeah, big vache. Good milker. À qui, la vache? Rouge. White spots. Mais à qui? Very good cow. Ooh, cow. I'll sell Bluetooth. $50. 50 piastres, c'est pas cher si c'est une bonne vache à lait. Il t'a pas vendu celle comme à la tête, toujours? What? À la tête. Non, non, pas toi. La vache. Oh, yeah, two horns. Big milker. Big milker, big milker. Oh, tiens, apprends-nous en français. Puis écoute-moi bien. Tout à l'heure, quand tu ailles au village, je t'ai préparé une liste. Puis comme tu n'es pas bien capable de te défendre en français, j'ai dit à Clarina de venir. Canada. Ah! T'as pas besoin de dictionnaire pour comprendre ce mot-là, hein?
Ah, c'est une fille bien smart. C'est elle qui fait l'ordinaire chez eux. Elle parle anglais. Je pense, mon Bill, que ça trouve de ton goût. Clarina, hein? Yes, Clarina. Je pense qu'elle a une affaire pour toi. Mais je sais pas comment est-ce que Alphonse va prendre ça. Il est point que moi d'Alphonse. C'est ma plus grande pointure. Eh, ça y va pas pire. It's a big one. I'm doing all right, eh? Sure, you're a real Canadian now. Non, mais il est grand. Puis, il est point là, tu sais? Hey, je l'ai vu à l'église avec sa tante dimanche passé. Il a donc l'air d'un gars d'Adon. J'haïrais pas ça de rencontrer. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Esther? Tante Mina a marqué une poche de patates, une poche de fleurs puis une poche de sucre. Bon, je vais vous préparer ça de suite. D'où est-ce qu'ils viennent? Ils disent qu'il fait chaud tout le temps. Ils ont 3 récoltes par année. Lui, au moins, il vient pas seulement pour écornifler. Il achète. Bonjour, Arthur. 148 piastres et 32 cents. 148 dollars and 32 cents. Here's 150. You take 10. Yes. Il y a un garage d'argent. Combien donc il y a ici, de bonhomme William? Le bonhomme William, il avait 3 500 $ de prêté quand il est mort. À sa sœur, la veuve Nina, là, il a laissé 2 500 $ avec la propriété du village. À son neveu, 1 000 $ cash. How much? Ça fait 45 $ de plus. Oh, Bill, 45. Yeah. Ça fait depuis 10 ans quand ça ramasse la poussière, cette musique-là. Oui, ben, comme ça, l'Américain, il ira pas loin avec son 1 000 $. Bon, aide-les donc, Alphonse. Oh, thank you, Alphonse. Tu connaîtras pas un habitant qui arrange pas la bande dans la paroisse? Acheter Casarios en a un. T'as un cheval qui est ben d'adon. Il y a Clarisse, c'est tout qu'il y en a un, mais je me fierai pas à lui. Non, c'est un matillon. Puis ils disent qu'il a attrapé une morve pondue. Non, il serait mieux d'aller chez Azarias. Je suis bien prêt à y aller avec lui. Il connaît pas les chevaux. Ah, laisse faire, je vais y aller avec lui. Écoute, Larina. T'es ma blonde. J'aime pas bien ça que tout le village te voie avec lui tout le temps. Oh, écoute, Alphonse, c'est pas le temps de faire des jalouseries. Faut bien que je parle pour lui, à cause qu'il sait pas parler français. C'est sa tante qui me l'a demandé. Si j'étais Clarina, je ferais attention. Alphonse est tellement odieux, tellement vaillou. Il vient d'acheter le cheval d'Azaria. Je te dis qu'il ira pas loin avec son 1 000 $. On voit bien qu'il a point gagné, cet argent-là.
mamie-là. Il a acheté le cheval à Azaria? Oui. Combien est-ce qu'il a payé? 150 piastres. C'est pas cher. T'arrives juste à temps pour le dîner. Tu vas rester à manger avec nous autres, Azaria? Je vais vous aider. Je suis préparée. Mais il faut que je sème l'argent, j'étais en train de foncer. Oh, vous êtes bien riche, Marina. C'est l'argent des pauvres de la paroisse que j'ai collecté. Tu sais que je pensais pour les dames de 50, hein? Hey, j'ai quasiment ramassé 50 piastres à moi tout seul cette année. Ah, fallu que je cours jusqu'en haut du cinquième rang, à la supportation des deux paroisses. Tu comprends, Clavinia? Je peux pas laisser traîner de l'argent comme ça. On sait jamais, des fois. Les caisseux. Thank you, Clarina. Say, Clarina, how do you say, I like you very much? Je vous aime beaucoup. Ah, you do? Oh, Bill, j'ai traduit. You asked me to say it in French. Qu'est-ce que c'est ça, cette musique-là? It's a guitar. Payez-la, ce petit gars. Comment c'est qu'il a payé? Oh, bête trop cher. J'y ai dit au magasin. Bon, ben, lâche ta musique, là, puis assieds-toi, là, on va manger, là. J'ai fait de la bonne soupe au foie. Et puis Bill, il l'aime bien, la soupe. Yeah, je vous aime, la soupe. Oh! Fare thee well, my fairy fay. For I'm going to Louisiana, thought to see my Susanna, sing bully woolly doodle all the day. Oh, I went down south for to see myself, sing bully woolly doodle all the day. Miss Sally and Miss Spunky Girl sing bully woolly doodle all the day. Ben, voilà ton garçon. Il boit point, il fume point, il s'accorde point. Commence à parler français, petit brasseur. Tu comprends ce qu'il dit, toi? Ça me sert bien, oui. Garce, c'est une belle voix. Ben, regarde-moi donc. Coudon, il faudrait bien qu'il donnait un coup de main ce printemps pour les labours. Certain. C'est un garçon vaillant qui n'a pas peur de travailler. Penses-tu qu'il pourrait m'aider à clore et tout? Bien sûr, puis c'est toi qui aurais le pire du marché. Presque tous ces clôtures sont à terre. Écoutez, son chapeau. Et toutes nos bébés de regarder quand il passe. Lui puis son chapeau sur son traîneau. Quel beau gars! Oh! Regardez ça! Oh! Quel beau chapeau! C'est un gars qui se fait pas de bille. Il est bien ce matin de grand bille. Lui puis son foulard et son beau petit chapeau. Ben, c'est bien qu'il ne comprend pas. C'est pas rien. D'abord que je peux y parler. Il chante comme un radio. Ouais. T'es un beau marbre. Il va se faire plumer, lui, ce sera pas long. Mais dis donc, les jeunesses, vous n'êtes pas capable de garder vos blondes? Pas drôle, pas ça. Dans cette vie avec nous.
fait de l'air d'un assez bon danseur. Viens donc danser. Je vais danser avec, moi. Mes amis, choisissez vos compagnies. Tout le monde en place. On va danser, puis c'est moi qui vais commander. Clarida, viens-tu danser? Oh, je peux pas. J'ai promis à Bill. You dance, Bill? Mais c'est pas beaucoup. Oh, Stinez, vous pouvez, vous êtes capable. Écoute, Clarida. La première danse, ce soir, on va danser ensemble. J'ai promis à Bill, à cette heure, il est trop tard. Maudit gars-là, il va avoir ma main sur la gueule. Marie-Louise ne veut pas lancer avec moi, elle attend son tour. Gardons Alphonse. Je te dis qu'il n'y a pas l'air de bonne humeur, là. Clarina prend Virix. Maman m'a toujours dit que deux cavaliers pour la même blonde, ça finit toujours en chicane. Je vais dire comme toi. Ça va finir en embrouille certain. Puis Alphonse, il est rancuneux comme son père. Ça va mal tourner. Merci. Salut. Merci. Salut. Merci. Merci. Ah.
un cachot qui a mis sa fille dans un cachot où l'on ne voit ni ciel ni eau. Ah, le maudit. On va te l'arranger. Il est 20 ans. As-tu vu comme les filles te le regardaient à soir? Moi, j'étais écœuré de voir ça. Les filles étaient toutes prêtes à se coller hors à lui. As-tu remarqué quand il chantait? Ça y a pas pris de temps avant d'en pigeonner Clarina, hein? On s'est aperçu de ça, nous autres et tout. Ouais. Ben, dis donc, moi j'ai un moyen de me défaire de lui. D'abord, on va te le faire danser sur tous les bords qu'il va retourner chez eux au Texas au plus sacrant. J'y ai jonglé depuis quelque temps. Et on vous prend à marcher avec moi, vous autres? Ben, certain. On marche avec toi. Ben, écoutez-moi. D'abord, on va vider la bouteille. De m'emmener de même au village. Tu comprends? Il faut que je couche là à soir. J'ai une réunion avec les dames de Saint-Aune demain. Et puis, il faut que je voie M. le curé après la messe demain matin. Hein? Ça fait bien drôle d'air, vous autres. Hein? Bon, ben, bonsoir, Amelia. Et bonsoir tout le monde. Merci. Bonsoir. Bonne nuit. Bye. Content? You have fun? Oh, yeah. Content. Lots of fun, but, my mouchoir. Votre mouchoir? Didn't you take it? Je l'ai pas, moi, votre mouchoir. Ah, come on. Je vous le dis, je l'ai pas. Vous l'avez perdu? Keep the mouchoir. I'll take this. Oh, dear. Il n'y a pas de chien. Vous êtes des maudits. Crois-tu qu'on a peur? J'ai déjà traversé un cimetière là, mais... Allez, marchez, marchez. Quand tu vas venir pour soigner des poules demain matin. Allez, les gars, poussons-nous au plus sacré en cette heure. Hein? Mais moi, je comprends. Il est venu chez nous pour voler mes poules, c'est tout.
Il n'y a rien qu'une chose à faire. Tu dois voir chez eux. C'est ça. Allons-y. Tiens, hey, Yvelon, ils s'en vont tous sur l'Américain pour essayer de le pogner chez eux. Ben, ça parle au diable. Je vais aller me déchanger et avertir les dames de Saint-Anne tout de suite. Attendez que Nina apprenne ça. Oh, ben, après, venez vous assire. Vous êtes bien fine d'être venue de bonne heure demain, le matin. Rentrez, mais c'est pas dans la porte comme ça. Rentrez, assisez-vous. Je ne gardais pas mes cheveux, là, parce que j'ai pas eu le temps de l'arranger. Excusez ma toilette. Ah ben, vous avez bien des phases de carême, vous autres. Excusez, hein, il y a un peu de poussière. Mais j'ai été passer quelques jours chez mon neveu. T'as point entendu la nouvelle, Mina? Quelle nouvelle? Vous avez point entendu dire? Excusez, hein, je vais aller m'arranger un peu. Entendu dire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ben, on n'ose point vous le dire. On a peur de te faire de la peine. Qu'est-ce que vous me racontez là? Assieds-toi un peu, Mina. On a des affaires à te conter. Oh, Seigneur. Qu'est-ce qui est arrivé quelque chose à Bill? Pauvre garçon. Il travaille tellement fort. Ça me surprendrait pas s'il arrivait malheur. Si c'était rien que ça. Il est pas mort, toujours? Non. Ben, pire que ça. Paul Saint-Anne. Le bon nom est ce pauvre Éloi Néron qui s'est fait voler ses poules cette nuit. Puis, qu'est-ce que ça me passe? Ça me regarde quoi, moi? Justement, ils disent au village en matin que c'est Bill qui les a volés. Êtes-vous folle? Lui, un fortin? Les fortins, ça n'a jamais volé un épingle de vie. Ça a toujours été du monde créé en Dieu. Son père, Joseph, c'était la bonté même. N'oubliez pas qu'il était marguillier avant de traverser aux États. Oh, vous ne me prenez jamais à travers ça. Ben, ils ont trouvé son foulard dans le poulailler des louets. Tout ça, c'est du placotage. Des menteries, des inventions, c'est pas vrai. Et tout le monde est certain que c'est lui. Il était vu par les petits garçons sur l'île. Vous avez beau essayer de me faire affaire que Bill a volé des poules. Monsieur, tu le notais pour voir si c'était vrai. Mmh. Puis si je vous disais, moi, que c'est Monsieur le curé qui a volé les poules, hein? c'est quoi le temps, Gris? On sait bien, vous, Mignon, vous voulez pas nous croire. Ben, il n'y a pas de boucan sans feu. T'as pas laissé l'argent des dames de 50 sur Bill, toujours. Et pourquoi pas? Je me fierais plus à Bill qu'au notaire. Ben, c'est pas pour te commander, Mignon. Mais en ta qualité de secrétaire trésorière, ton devoir est de te rendre compte par toi-même si c'est vrai ou non. Alphonse est au magasin général avec son cheval. Il ira tout bien te reconduire jusqu'à la maison. Ben oui, si tu y allais toujours, tu viendras nous compter ça après. Ben, je vais y aller d'abord. Quand même, ça serait bien pour vous faire plaisir. Commencez la tombée sans moi, là. Je vais revenir dans la minute. Mais j'y crains pas! Je vous dis que c'est Liliane. Je la connais bien, la Rose. Voyez-vous, c'est Mirmark. Il n'y a rien qu'une chose à faire, c'est de le mettre en prison tout de suite. Les preuves me paraissent évidentes. Voyons toujours ce que Bill va dire. Ben, il n'y aura pas d'autre personne que lui qui les aurait prises. Il a été vu hier soir. Il me semble que s'il les avait volés, M. Lois, il ne les aurait pas laissés autour. En ce cas-là, je vous dis que c'est un voleur. Morning, Father. Good morning, Bill. Bonjour, Monsieur Berube. Bonjour, Monsieur. Voleur de poules! T'as pas honte d'aller voler les poules des autres? What's the matter? Why is he so angry? What are those hands doing? Essaye pas de le dénier! T'as été vu hier soir avec une poche sur le dos dans mon thé, ce filial. T'apprendras que ça se passe pas comme au Texas, par ici. D'abord, j'ai la preuve. Le reconnais-tu, ce foulard-là? Oh, you found my mouchoir. What was it? C'est-tu à toi ou bien c'est-tu pas à toi? Tranquillisez-vous, M. Éloi. D'abord, il n'a rien compris de ce que vous lui avez dit. Mais si on entrait lui parler, can we come in, Bill? Why, sure, Father. Rentre, rentre, rentre. S'ouvre pas de moi, toi. Hein? Bon, prenez vos poules, vous. Merci bien. Ah, bon, j'ai une chaise. Mais Bill, do you know this man, M. Éloi? No, I've never seen him before. Il dit qu'il connaît pas Éloi. Il connaît bien mes poules, par exemple. Il dit qu'il a été vu hier, dans la nuit, avec une poche sur le dos. You were seen last night with a bag on your shoulder, with chicken in it.
Oh, Father, it's a mistake. I was in bed last night after Vallejo Schwinnard. True? Why, of course it's true, Father. I believe you, Bill. I'll arrange that. Thanks, Father. Il dit qu'il est entré chez lui aussitôt après la veillée chez Chouinard, et je crois qu'il dit la vérité. La vérité? Puis mes folles, elles sont allées s'accompagner toutes seules dans son étable. Mais c'est curieux que je ne suis pas prêt de l'accuser de vol. Il est possible qu'on lui ait joué un mauvais tour. Alors, on lui donne le bénéfice du doute? Oh non, il a volé mes poules, faut qu'il paye pour. Mais vous les avez retrouvées, vos poules, monsieur Éloire. Ouais, puis le temps que je perds avec ça, j'ai pas encore eu le temps de faire mon train un matin. Ils vont me payer ça cher. Voyons, Éloire, soyez charitable. Charitable. Il y a toujours bien aimé de laisser manger à l'aide sur le dos, pas laisser changer. Oui, Éloire, nous n'irons pas plus loin dans cette histoire. Bon, ben c'est correct. Mon Dieu, dès que ton vrai, les poules sont là. Ben, certains, ils sont là. C'est point fini, cette affaire-là. Ah, ça va toujours bien nous réchauffer un peu. N'est-ce pas, monsieur Tratek? Oui. Un peu de stimulant, ça ne fera pas tort aujourd'hui. Prends-tu du café, Alphonse? Non, j'y ouvre pas. Va me prendre une tasse moi-même. Café, Alphonse? Oui. Merci. Il est bon extra, votre café, Bill. Vous trouvez bon ce café-là, M. le curé? Il est très bon, il est même très riche. Ne vous en faites pas, Bill. Nous sommes convaincus qu'on vous a joué un mauvais tour. It was all a bad joke. That's all right, Father. No hard feelings. So long, folks. Tante Minna, ça donne dehors à mon barlou. Never mind, Tante Minna. I'll clean up. Où est-ce que mon argent? Argent. Yes? Argent? Money? No money here. Yes, money. In the envelope. The envelope. In the cafetière. Envelope? Yes. Paquet. In. Oh, yeah. I think I saw an envelope. But there was no money. The envelope? Where? Well, they took it and... She took it? Yeah. Yeah, and I put it on the table. Give me. I can't give it to you. It's not there anymore. It was here a second ago. But why here? Don't. No, I haven't got it anymore. No, Kitty, mon doux Seigneur. Est-ce possible? Il a pris l'argent des pauvres. C'est un vrai sacrilège. Qu'est-ce que la bonne Sainte-Anne va penser? C'est-tu possible? Oh, jamais j'aurais cru ça de lui. Look, Aunt Minna, I haven't got your money. Oui, ma monnaie. La monnaie de la paroisse. Un porteur voleur. C'est donc vrai ce qu'il raconte au village. Il a volé l'argent des fonds. Please, Aunt Minna, pas pleurer. I'll find your money. Maybe somebody took it. Ah, took it. Ah, t'es bon. Est-ce que tu ne veux pas me le rendre, là? J'ai fait une guerre avec ce... Je retourne au village, puis tu me vois ainsi. Et misère. Quel déshonneur pour la famille. Un poteur et un voleur. Le diable est aux vaches, vous dites que ça placote au village. Ils disent que c'est Bill qui a volé les poules. C'est pas vrai. J'ai été vu cette nuit. Puisqu'il l'a vu, c'était peut-être un autre. Les jeunes assulistes là, l'ont reconnu. Moi, je le fais point. Tu le défends bien, ton Bill. Tu le crées innocent. Mais les preuves, ça compte pas pour toi. Ils ont trouvé son foulard dans l'étable suédois. C'est peut-être bien un tour qu'ils ont joué. Il y en a qui sont heureux au village. On joue pas des tours comme ça. C'est sérieux. Pauvre garçon. Dire qu'il s'arrangeait si bien avec tout le monde. Je voudrais bien lui parler, moi. Je le sais que ça peut pas être lui. Moi, j'ai l'idée que si Bill avait besoin de poules, il en aurait acheté. Entrez! Oh, c'est Bill. Hello. Bonjour. On parlait justement de vous.
Dégrayez-vous donc. Venez vous asseoir avec nous autres. Il fait déjà assez doux pour vous aujourd'hui. Oui, there's a pot here. Il y a des dégoutiers sur les bâtiments. Puis déjà, sur les coteaux, il y a des grosses taches de terre. Je crois que dans le faible de lune, la glace va défoncer. Je vais dire, comme le gars, le printemps s'en vient vite. Oui, le printemps. Coudonc, Bill. Veux-tu me le dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire de poule? Voyons son père. Il faut bien lui demander si on veut savoir quelque chose. Poule? Oh, fini la poule. Father said someone played a bad joke on me. Il dit que M. le curé a dit que c'était un mauvais tour qu'on y a fait. Mais j'aime mieux ça de même. Je vous l'avais bien dit aussi que c'était un tour qu'on y avait joué. Je l'ai toujours pensé que c'était point lui. Ça nous a surpris, tout. Bon, ben, excusez-moi les enfants si je vous fausse compagnie. Faut que j'aille faire boire les veaux. Vous savez, Bill, j'ai jamais cru. I never believed it. True, Clarina? Toi, croyez point, mais still le poule? But you know, Clarina, there's something else. Il y a d'autres choses? Quoi donc? Tant Minna. She left me. She went back to the village. Elle est partie? Elle vous a laissé? À cause? She thinks I took her money for Saint Anne. L'argent des pauvres? Dans l'enveloppe? Vous savez? Enveloppe? Yes. J'ai vu compter. Il y avait à peu près 50 piastres. Something like $50. $50? In the envelope? Envelope in the cafetière. I took envelope and put it on the table. And it's gone. I looked everywhere. I can't understand it. Vous allez trouver certain cet argent-là, cherchant encore. Bill, j'ai une idée. I have an idea. En attendant, à cause que vous allez pas voir votre tante Minna, puis donnez 50 piastres. $50. Give her $50 of your pocket. Oh, ça va tout arranger. Votre tante Minna, elle vous allez voir, elle oubliera vite. Say, Clarina, that's a swell idea. I'll do that right now. Oh, Clarina, you're swell. Je vous aime. Oh. Voyons, Clarina. T'as-tu du bon sens de te conduire de même dans la maison? C'est notre devoir de chrétienne de secourir les malheureux. Mais quand on sait rien, c'est pas facile. Tu nous redoutes point toujours. Auras-tu perdu confiance en nous autres? Mais tu sais bien qu'on n'en parlera point. Ça serait-tu plus grave que ça ne l'est? Oh, oh mignonne, chérie, faut que t'allais. Allez bien à plein. Ma vie est sans dessus-dessous, Astor. Je crois que le bon Dieu s'est viré contre moi. Oh, parle pas comme ça, mignon. Tu sais bien si le bon Dieu t'éprouve. Mais c'est parce qu'il t'aime. As-tu envie de dire qu'il m'aimait pas avant ça? Voyons, mignon, force-toi fort. Si vous saviez, c'est le déshonneur pour toute la famille. On va être montré du doigt pour jusqu'à la fin de nos jours. Bon, c'est bien. Un mouton noir dans la famille. Vous, là, Amanda. On dirait que vous le faites exprès pour ouvrir la plaie. Parlez donc pas avant de savoir. Ben justement, mignon, tu devrais toutes nous raconter ça comme ça s'est passé. À cause que le monde parle à travers le chapeau. On voudrait savoir quoi lui répondre. Oh. Mon Dieu, Seigneur, mignon, mais tu vas pas nous guinder sans connaissance, Estelle? T'as besoin de faire attention, mignon. Tu sais, à force de te sorcer tout ça dans la caboche, là, ben, ça peut virer encore autre sang. Tiens, mignon. C'est des pilules contre les battements de cœur. C'est le docteur Tremblay qui m'a donné ça. Tu te rappelles la fois qu'on a passé au feu? Le lendemain d'ensuite, je pouvais rien garder. Et je pensais comme des coups de marteau dans le coffre, là. Tiens, t'en prendras deux avec un peu d'eau. Merci, ma bouchard. Si vous saviez comme j'en ai besoin de ce temps-ci. On dirait que j'ai le cœur gros comme ça. Et cela, des dents fausses, sans bon sang. Mais dis-nous ce que t'as sur le cœur, au moins. Moi qui croyais un bon garçon comme son père, ses oncles, son grand-père d'Isaïeul.
Bien contente qu'il soit mort, le zoo. Je vais vous le dire. Il boit point, il sacre point, il fume point. Mais ça me lâche. Oh. C'est-tu la vérité, Mignon, qui les a volés, les poules? Oh, c'est rien que les poules. Mais je crée aussi qu'il a pris l'argent des dames de Saint-Anne. C'est-tu effrayant? Si, c'est effrayant. Puis c'est curé qu'il croyait innocent. Ma sœur, quand il va apprendre ça, les prêtres accusent jamais le monde. Ils sont toujours prêts à excuser les fautes des autres. Vous les entendez jamais dire si une personne de votre connaissance est au ciel ou bien en enfer. Mais c'est à cause que tu veux pas faire de la peine à la famille. Je te dis, Mignon, que c'est un coup pendant qui t'a fait là. Mais en ma qualité de présidente honoraire, je sais point comment tu vas pouvoir rester dame de Sainte-Anne. Pas si vite de vous autres. C'est pas à cause que j'ai un deux capotés que vous allez me faire perdre mon ciel. L'argent des pauvres, je vais vous le payer tout de suite, de ma poche. Puis je vais rester dame de Saint-Anne jusqu'à ma mort. C'est lui, le vieux. C'est lui, il s'en vient ici. Oh, je peux pas le voir. Je peux pas le voir. Qu'est-ce que vous dites, monsieur, vous? I've come to see Tante Minna. Vous n'avez pas d'affaire ici. Hey, vous en. Sortez d'ici, vous. Vous allez faire mourir votre sœur. C'est un voleur. Se bondrer. Le monde par ici, les voleurs. Madame Lafont, c'est une disgrâce pour la paroisse depuis que l'Américain est venu avec ses manières des états. Depuis qu'il est arrivé par ici, on entend parler toutes sortes de choses. Mais donc, Larina, tu veux plus me parler. T'es capable d'y parler? Nous autres, on n'a pas pu y arracher un mot depuis quelque temps. Je sais point ce qu'elle a. Elle est toute chavirée. Écoute-moi bien, Clarina, là. Tu sais que je suis prêt à t'aider n'importe quand. Avant que Bill ressoute par ici, on se parlait. Je croyais que j'étais ton ami. Oh, petite, apprends-toi bien ton accueil. Ben, crée, hein. Elle a pris ce grand Jack-là, trompe à cœur. Elle ne savait point qu'elle était croche. Tu crois mieux de ménager tes mots, Alphonse. Bill n'a jamais été croche. C'est bien beau à dire, mais quand toutes les preuves sont contre lui, certain qu'il ne voudra point rester par ici après toute cette histoire-là. Ça fait 6 jours qu'il ne s'est pas montré la trompe.
Il est peut-être bien parti, à l'heure qu'il est. Parti? Bill? Lui parti? Je croyais que ça serait plus de santé pour lui de remonter chez eux au Texas. Oh, voyons son père. Tu vois bien que tu as chagrine pour rien. C'est pas de sa faute à elle. Ouais. Mais il me reste plus rien à faire ici. Je sais qui te prend. Je sais que tu t'en vas. Qu'est-ce qui va pas, Clarina? Viens me conter ça. Avez-vous remarqué ce grand Américain, M. Noël? C'est un maudit bonhomme. Il n'est pas battu ses bio. Ah, je te crée, c'est le meilleur gars de la gang. As-tu vu comment est-ce qu'il s'organise, ce gars-là, au travail, hein? Je l'ai rencontré mercredi passé à Force du Grand Chemin. Il s'en venait tout seul sur son joual. Mais demande-moi pas ce qu'il allait ou ce qu'il venait. J'ai rien compris, mon vieux. Il cassait le français, mais ça n'a pas d'allure. Des colosses. Alors, on peut pas suffire à la gang qu'on est. Le bois sera mort sans bon sang, la gueule de l'hiver noir. Tu n'as pas que le temps de se perdre. Ouais, il y a quatre gars Saint-Gatien qui vont se faire d'asseoir. Si c'était tous des bons hommes comme ce grand Jack d'Américain là-bas, là, tu n'aurais pas besoin d'engager des fainéants comme vous autres, hein?
Moses de chanceux. Il a quasiment gagné toutes les parties à soir. Chance aux cartes, ça blonde doit le tricher. François de la compagnie. Salut tout le monde. Avez-vous faim? De quoi? Oui. Tu restes encore des points de table, toi, là? Oui, ma reste. Bonsoir, les gars, comment ça va au village? Bon, allez. Vous voulez entendre, il y a du bois ramassé jusque dans la tête des sapins. Ouais. Hey, les boys, voulez vous voir un gars qui gagne, c'est un maudit temps. Venez voir ça. Tiens, c'est lui. Ok, dis ici, toi. Tu me connais, toi, ce gars-là? Au dommage. Il est même bien connu par chez nous à Saint-Gatien. On l'a perdu de vue un petit bout de temps. Personne n'est affauché. C'est encore toi qui s'occupe de la couquerie cette année. Tu veux faire attention à des poules. T'en manquerais pas une coupe? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Hey, Colin, il gagne à tout coup. Ah, c'est pas surprenant. Sans hauteur, il voit tout au jeu. Je l'ai vu tout à l'heure regarder dans son jeu à lui, là. Listen, Alphonse, ferme ta gueule. Si tu penses que tu vas me la fermer, t'es ma maudite face d'anglais. Parleur de tricheur! Moi, voleur, moi, tricheur. Oui, face du paquet que t'es! Ça, c'est démontré. Voleur, que je dis! Tu pas une fois, ça! Thank you.
parler un peu. À cause? À cause. C'est à propos. Je voulais te remercier. Ah, je te comprends et tout. Je mérite à bien de me nier. Après tout ce que je t'ai fait. Et au soir, il cite l'histoire des cartes. Et puis tu sais, les poules. Eh bien, c'est moi qui les ai mis dans ton étable. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ben, c'est moi qui les ai charriés, les poules. Toi? À cause, t'as fait ça? Tu veux le savoir? Ben, c'est à cause que j'étais jaloux de toi. J'étais plus maître de moi. Tu supprends, moi. J'étais jaloux pour Clarina parce que je l'aime, moi, et tout. Bien que Clarina, ben, c'est toi qu'elle aime. Tu sais, Bill, elle prend ta part tout le temps. Elle s'ennuie de toi. Me too, I'm Clarina. But I can't go back. Papa, village. Ouais, il y a toujours cette maudite affaire d'argent. Yeah, argent. What, Beverly? I can't understand it yet. I had the cafetière. In the cafetière, envelope. In the envelope, argent. I put the envelope on the table. Gone. Party. C'était-tu pas une enveloppe avec une carte et une croix mauve dessus? Maudie, you took the money. What's the matter? What's funny about it? Je l'ai vu, ton enveloppe. What about it? Là, elle était bien cachée. Elle est restée chez toi tout le temps derrière le buffet. What? Non, pas, je ne veux pas, mon Bill. Je m'en vais tout t'expliquer. Moi, je m'en vais dire à tout le monde que c'est point toi qui l'a volé, cet argent-là. Laisse-moi faire. Sans l'encule, mon Bill, hein? Vendredi et samedi, je continuerai la visite paroissiale. Les familles averties sont priées de rester à la maison. Maintenant, mes très chers frères, j'aurai des remarques opportunes à faire. Il s'agit du vol de poules perpétré chez M. Éloi Néron et du vol de l'argent des dames de Saint-Arc. Eh bien, il n'y a pas eu de vol de poules ni de vol d'argent. Les poules, ce fut un tour joué par des jeunesses irresponsables qui regrettent avoir nui à la réputation du jeune homme en question, et je suis en mesure de vous dire aujourd'hui que ce jeune homme est innocent. Et la preuve, la voici. Cet argent était égaré et il a été retrouvé. Méfions-nous donc, mes très chers frères, des jugements téméraires. Évitez donc les commérages qui peuvent nuire à votre prochain. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Lecture du Saint-Évangile pour le deuxième dimanche après Pâques. Chose qu'il faut que tu saches. Les chenilles, par exemple, c'est pas facile à s'en dégendrer. Quand ça se met dans le grain, ça mange tout. Moi, il était passé, j'ai fait venir M. Curé. À cause? Pour faire bénir le champ. Il est venu avec un enfant de cœur, puis ils ont récité des prières. Qu'est-ce qui est arrivé? Les chenilles sont toutes parties. Oh?
Voyons ce que tu as parlé. Dans le champ du voisin. Ton père, on peut-tu aller faire un tour dehors, nous autres? Bien sûr, les enfants. Allez donc faire un petit tour en chaloupe. On l'a descendu dans l'anse la semaine passée. Merci, ton père. Attention de vous mouiller les pieds, l'eau est haute. Évangeline! Évangeline! Monsieur Thomas! Va, dis donc, en chaloupe, toi et tout. Reste avec eux autres. T'as compris? Nous autres, on se parle. Moi, je vais aller en chaloupe, bon. À cause qu'il ne va pas te suivre. Va-t'en. On te rejoindra dans l'ombre. Non, je ne vais pas attendre. Bon, je vais aller en chaloupe. Ça ne sera pas long. On a encore des choses à se dire. Ça prend plus de temps. Vous ne pourrez pas vous les dire dans la chaloupe. T'as-tu fini de nous achaler? On te rejoindra tout à l'heure. Tu diras de ta chalande, ça nous fait rien à cette heure.